Dans l'épisode précédent, notre protagoniste a rencontré un renekton qui l'a complètement détruit. Étonné de sa prestation, il lui propose de duo-queue et d'en savoir un peu plus sur lui. Il s'avère qu'il est coréen et il est plat de cat. Il propose alors de duo-queue et par chance, il est autophile ADC et notre protagoniste sera support. Comment ça se fait qu'il est que plat de cat, putain? Il était trop bon! Non, je suis obligé de sortir la Nico. Je suis sup? Oh, y'a Brand en plus! Y'a Brand Ezreal, je vais les exploser! Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, il faut qu'on lui prouve qu'on est bon. Là, il faut qu'on. Ok, je suis pas. Ok, on donne tout. On donne tout! J'ai un bon match-up, on est contre Brand, il joue Jhin, on donne tout ce qu'on a. Putain, j'avais un carnet où j'avais appris le coréen et je me rappelle de rien. Il est où ce carnet? Jure, je l'ai retrouvé déjà! J'ai déjà retrouvé mon carnet! What the fuck? Non mais alors, je rigole zéro. J'ai vraiment appris le coréen en fait. Donc ça c'était l'alphabet. L'alphabet est très facile hein, d'ailleurs si vous voulez. Ça c'est pour dire je t'aime, je vais peut-être pas commencer par ça. Ok, je joue avec un plat de 4 que je dois impressionner alors que je suis monté des deux avec Nico. Avec 72% de winrate, y'a rien. Y'a rien. Alors je vous préviens, il se fait catch, je meurs avec lui hein, je le laisse jamais mourir. Hein. Ah, le W est valant, dis donc. Oh, c'est rapide. Je sais pas s'il avait... Non, il joue trop bien. Il joue trop bien. Genre, il est autofill, je suis désolé, il joue mieux que les diamants ADC. Tu peux. Vas-y, auto. Bien joué. Oh là là, il joue mieux que tous mes ADC diamants. Putain. J'aimerais bien mon niveau 3. C'est donc ça le bonheur. Faut juste trouver un coréen. Par contre moi qui disais ouais vous abusez les coréens ils sont pas tous bons. Je commence à douter en fait là. Parce que mon frère il avait des potes coréens. Ils étaient nuls à chier à LOL donc ça me... voilà. Il est plus sur mon stream hein, c'est bon. Mais là il me met des doutes lui hein. Ça va, on est 2-2. On fait moitié-moitié. Tu l'as? C'est quoi ça en fait? Oh le 16 step. En fait, je savais pas si la vie trollait ou pas quoi. Bon, le Ezreal par contre, il doit mon E en fait. C'est bizarre de rejouer Nico là en vrai, ça faisait longtemps. C'est violent. Ah bah, quand j'ai un match-up comme Brand, je peux jouer quoi. Ça fait plaisir. C'est même plus que jouer en vrai, c'est facile hein, je pense. Il me heal! Non mais c'est trop là. Donc un, il joue agressif sans être bourrin. Il attend que je touche et il follow tous mes trucs. Il balance pas des W n'importe comment. Il me heal. Je prends des kills, il rage quitte pas. Chelou quand même. Ah, c'était compliqué, hein. J'aurais fait exactement les mêmes tirs qu'il a fait, le gros suceur. Ah, le Brand est parti. La duo queue, mais c'est pour ça que je veux pas duo queue, les gens. Parce que je trouve que la duo queue, c'est trop fort. Et j'avoue que j'ai pas envie de monter avec ce système-là. J'ai pas envie de promouvoir ça, mais... À la fin, je sais que j'en ai rien à faire, mais c'est dur de trouver aussi quelqu'un qui sache jouer, qui est dans le même mindset que toi, quoi. Et là, vous rendez compte que ce Jhin-là est autophile, mais je rigole pas, genre, tu regardes toutes mes games quand je joue support avec des ADC, c'est une game sur 20 que j'ai un ADC comme ça, en fait, qui follow les trucs, qui me heal. Le nombre de games en diamant où les ADC me heal pas et me laissent mourir ou des trucs comme ça, lui, j'allais pas mourir, hein, mais c'est juste au cas où, il me heal, genre. En mode, bah, j'étais pas sûr. Genre, c'est trop agréable. Mais lui, c'est un main Z, hein, de base. Hein. Mais après, ce joueur, je savais qu'il était bon, même sur Jhin. Tu vois, j'étais pas en mode,
Est-ce qu'il est bon sur Jean? Peut-être qu'il va pas l'être et tout. Non, j'ai vu son renecton, j'ai tout de suite compris qu'il était bon partout, genre. Il avait l'esprit vif, tu vois. J'ai un peu grid. Il y avait tout sauf Nico dans mon titre, mais circonstances différentes. C'est vraiment bien, Gwen. J'espère qu'ils vont faire plus de champions comme ça plus tard. Non. What the fuck, c'est qui ça? Ah, j'ai raté mon E, j'ai voulu toucher tout le monde. Mauvais bail. Ça va, on a fait cœur sur Irelia. Mon Jean n'est pas mort, c'est tout ce que je veux. Ouais, c'est agréable, hein. Si toutes les games pouvaient être comme ça. Ah merde, désolé. On lui montre tous les tricks qu'on connaît. Il est fourbe, lui, hein. Il est fourbe, le petit, là. Bah, le kill, il est pour toi, je pense, hein. Je l'ai pas lu UKS. Est-ce que je grid comme une merde? Non. Il m'a encore heal, hein. Il m'a encore heal, hein. C'est le bro. C'est le bro. On finit, ouais. Ok, j'ai un peu flippé là. Heureusement que j'ai acheté le Zonia du coup. Oh, le EQ kamikaze. Moi GG. Ah, il est vraiment bon, hein. Pour un plat de 4, il est vraiment, vraiment bon, quoi. On peut l'appeler Opa, si c'est notre grand frère. Yo, j'espère que la vidéo vous a plu. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Instant Gaming, qui est notre sponsor depuis des mois et qui me permet de faire des améliorations sur mon stream. Je vais faire une vidéo, d'ailleurs, sur mon setup très, très soon. Instant Gaming, qu'est-ce que c'est? C'est un site où vous allez pouvoir acheter des jeux digitaliser les plus bas sur le marché. En fait, il n'y aura pas plus bas. Vous pouvez voir des moins 20%, des moins 80%. Il y a du moins 78% sur Dead by Deadlight. T'as même des points PlayStation, t'as même les abonnements Nintendo, etc. T'as vraiment de tout. Les codes, tu les as instant. Je dois être à 450 euros d'économiser. Bref, évidemment, je vous conseille le site. Lien dans la description et dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable journée et soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.